Berlin, Unter den Linden, sous les tilleuls. Belle avenue ombragée, le soleil froid comme une lame. Je marche vers la porte de Brandebourg. Je sais parfaitement que je ne me dirige pas vers la porte de Brandebourg. Là-bas, derrière, plus loin, vers la gauche, je crois. Je marche. J'ai commencé à accumuler ces appareils photos sans savoir pourquoi. Probablement parce que je les trouvais beaux, tout simplement. Donc je les alignais, je les plaçais, je les organisais. Et puis, quand c'est devenu un peu trop important, j'en ai eu un petit peu trop chez moi, je suppose que c'est mon cerveau gauche qui a repris la main, le cerveau de la rationalité et de la raison, et qui a voulu aller comprendre ce que c'était, cette nouvelle obsession. Donc j'ai compris qu'ils avaient tous été fabriqués entre 1930 à peu près et 1945, et qu'ils représentaient une carte d'une époque, une carte maintenant muette, carte d'une génération aussi qui est en train de disparaître. Que de les aligner face à moi, c'était une manière d'avoir un interlocuteur à qui demander des comptes pour cette période. Ce sont des appareils qui viennent de toute l'Europe. Donc ils sont une sorte de statistique. Statistiquement, il y a des salauds et des gens bien qui ont tenu ces appareils. Ils ont vu des choses gaies, probablement des choses qui ne le sont pas. Il y avait des appareils dont j'arrivais à peine à m'approcher, d'autres qui me semblaient tout à fait bénéfiques. Le mur d'appareils photo est achevé. J'ai laissé les box mutiques à cette femme qui les voulait. Je ne suis qu'un passeur. Si gisent les années 30 et 40, c'est ce que j'aurais dû inscrire en épitaphe. Leurs yeux éteints, mémoire rayée, memory box. C'est une période qui a pesé sur moi et sur ma famille, et que tout ce qui a été non dit et dit pesait pareillement, et que c'est donc un questionnement qui finalement a traversé ma vie, même s'il a été mis longtemps au refouloir, et que c'était une manière de ressortir le sujet, de le mettre sur la table. Et aussi peut-être de faire justement le deuil de tout ce que je ne sais pas et des mémoires tronquées. Sachant que, quelle que soit la collection d'appareils photo que je puisse faire, ça ne comblera pas ce que je ne sais pas, ce qu'on ne m'a pas dit et le fait que je ne puisse pas éprouver la douleur qui a été éprouvée. Berlin, Unter den Linden, sous les tilleuls, je marche. Au cimetière de Bagneux, il y a une allée des tilleuls que je peine toujours à retrouver. Tu es là-bas et tu n'y es pas. J'y vais parfois prendre un thé avec toi. Chaque deuil rappelle tous les autres.